Le livre a été célébré à Jacqueville. Mercredi 10 mai, l'ONG Nklobakan a organisé un concours de lecture, poésie et slam lors de la 4e édition du mois du livre. Dans une ambiance de fête, les élévateurs de rôle ont étalé leur savoir-faire. Sujet tabou, ils préfèrent plutôt parler d'amour, préfèrent plutôt parler de nous. Sauf que la porte par laquelle on va le jour qu'est la valeur de la vie, si la vie n'a pas de prix. La femme que je suis n'a pas choisi d'être femme, mais vous avez fixé un rapport qui soit en prix. Je veux dire à mes amis de beaucoup lire, parce que la lecture c'est un moyen pour apprendre. C'est pas seulement quand on bosse les leçons que ça reste, il faut aussi lire. Donc je veux dire à mes amis de beaucoup lire. Geneviève Dagri Aka invite les élèves à s'intéresser de plus en plus à la lecture. Face à l'insuffisance des infrastructures scolaires à Jacqueville, la présidente de l'ONG Nklobakan sollicite toutes les bonnes volontés pour doter la ville balnéaire d'infrastructures scolaires adéquates. Au niveau de Jacqueville, les enfants sont compétents, mais ils n'ont pas le moyen de pouvoir se développer. Je demande pourquoi je dis ça aujourd'hui. Ils ont besoin d'un peu d'encadrement au niveau des autorités pour les rénovations d'écoles, pour la cantine, parce que c'est difficile pour eux. Ils habitent très loin et le temps de revenir, ils sont épuisés, donc ils n'arrivent plus à cerner les choses. Donc on vous demande à toutes les autorités de nous aider à avoir des cantines pour aider les enfants et avoir aussi les bases, c'est-à-dire avoir des salles d'informatique pour pouvoir aider ces personnes. La 4e édition du livre a permis de mettre en place dans les différents lycées et collèges des clubs de lecture.